Alain, propos d'un Normand. Enseignement. Puisque tout le monde, en fait, reçoit l'enseignement de l'État, nous n'aurons plus de ces esprits crédules qui jugent sans preuve. Tous auront quelque idée de ce que c'est que libre recherche et libre critique. Nous perdrons cette funeste habitude de juger vrai ce qui est affirmé jusqu'à preuve contraire. Déjà, j'entrevois une France nouvelle. Voilà un beau thème pour les discours officiels. Voyons maintenant ce qui est. Toto entre au lycée. On lui meuble l'esprit. Hardi, les déménageurs. Par les escaliers, par les fenêtres, entre les meubles traditionnels. Ne perdons pas de temps, les jours sont courts. Et Toto apprend la table de multiplication. On fait de lui une machine à compter passable. On lui apprend la géométrie. Toto raisonne. Mais admirez comment il raisonne. On lui énonce, avant tout, ce qu'il doit démontrer, et le voilà en route, les yeux fixés vers le but. Et voilà des leçons qui ne seront pas perdues. Tu sauras, Toto, et tu n'oublieras jamais que le raisonnement a été inventé pour se prouver à soi-même ce que l'on croit. Vient la physique, dépouillée de tout ce fatras de tâtonnements et d'expériences manquées, à travers lesquelles les plus grands hommes se sont avancés péniblement. Deux ou trois appareils bien faits vous débitent la vérité en tranches. Nous pouvons démontrer jusqu'à 10 lois naturelles à l'heure. Et nous ferons encore mieux. Histoire et géographie. Les faits sont classés et étiquetés d'avance, comme des échantillons dans une vitrine. Les documents sont au grenier. Nul parmi les élèves ne les a vus. C'est à peine si le maître en a vu quelques-uns. Le travail de la critique est fait. À quoi bon le refaire ? La philosophie couronne l'édifice, et la morale couronne la philosophie. C'est dire que les doctrines subversives seront condamnées coûte que coûte, et que tout se terminera par un hymne au devoir et à la mutualité. La journée est finie, les meubles sont en place. Si Toto plus tard juge mal et manque de critique, nous dirons « Il doit y avoir du jésuite là-dessous. » 21 juillet 1906.